Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel Opium Découverte consacré cette fois à Valentino Rossi The Game, sorti ce 16 juin 2016 sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC, édité par Bandai Namco et bien sûr développé par le studio italien Milestone. Alors autant le dire tout de suite, je suis pas un grand testeur de jeux de moto, cela fait bien longtemps que je n'ai pas joué à un jeu de moto, mais à l'heure actuelle, Valentino Rossi The Game est la référence du moment dans le genre. On va dire qu'il y a très peu de concurrence sur ce marché des jeux de moto. Nous allons donc revenir sur ce jeu avec en fin de vidéo un récapitulatif noté du gameplay, des graphismes, du scénario, musique, bruitage, durée de vie et prix, donnant lieu à une note sur 20. C'est parti pour le test de Valentino Rossi The Game. Alors le jeu est donc sorti ce 16 juin 2016, il s'agit en fait de l'épisode annuel de la série MotoGP, qui cette fois s'appelle donc Valentino Rossi The Game. C'est en gros MotoGP 16, mais reprenant le nom d'un des plus grands, sinon le plus grand champion de course de moto, Valentino Rossi. Alors je suis pas fan des jeux de moto, comme je l'ai dit, le nom de ce champion, surnommé le Docteur. Alors je le connais juste de nom, j'y connais pas grand chose en moto, les cylindres, les noms des autres champions. Et justement, on est là pour découvrir de nouveaux jeux. Développé par Milestone, ce studio italien, auteur de la série MotoGP depuis 2007, est aussi l'auteur du jeu de course Sébastien Loeb Rally Evo, sorti fin janvier, et vient aussi de sortir ce mois de juin Ducati 90e anniversaire, un autre jeu de moto. Milestone est en grande forme vidéoludique cette année, puisqu'un Ride 2 est en cours de développement, un autre jeu de moto, et MXGP, un jeu de motocross, est sorti il y a 2 ans. Donc Milestone est un gros spécialiste du jeu de course, des jeux qui se vendent donc plutôt bien en général. Milestone a peu de concurrents en face de lui. Bref, Valentino Rossi The Game, c'est tout simplement un jeu de course de moto, vous l'avez compris, mais pas seulement. Et une chose est sûre, c'est que Milestone n'a pas lésiné sur le contenu, qui est assez conséquent. Et pour être mesquin, on peut critiquer en disant que, bon, c'est pas difficile de modéliser un circuit, et ensuite rajouter tout un tas de modes de jeu sur ce circuit, avec différentes motos, en contre-la-montre, en championnat, tout seul, en équipe, avec d'autres concurrents, de jour, de nuit, sous la pluie. Bon alors, on va pas cracher dans la soupe non plus, hein, le jeu a du contenu, mais on va y revenir. Alors en arrivant dans le jeu, on peut chara-designer son perso, brièvement, la tenue, les gants, les bottes et le casque. Peu de choix au début, mais la customisation devient assez importante quand on enchaîne les courses. On gagne des VR Points, des points Valentino Rossi, qui nous permettent de débloquer tout un tas de fringues. Notre première course est un flat track, obligatoire au début pour obtenir tous les modes de jeu. Il s'agit d'une course en cross sur de la terre, où donc ça glisse pas mal et permet d'apprendre les commandes, l'accélérateur, le frein, et s'habituer à la physique de la moto. Une fois réussi, on intègre la prestigieuse VR46 Riders Academy et Valentino Rossi, avec son bel accent italien, nous parle en anglais et devient notre mentor pour nous guider dans l'avancement de notre carrière, puisque là peut commencer le mode carrière. Une fois réussi une petite dizaine de circuits, on pourra intégrer une écurie, une équipe et commencer un championnat qui pour ce jeu reprend les circuits du championnat 2016. C'est ainsi que l'on découvrira à travers cette petite dizaine de circuits les différents modes de jeu. Il y a donc la possibilité de faire des courses en flat track, en motocross donc. On peut aussi faire des courses sur piste, sur de l'asphalte. Et enfin, le jeu nous permet de réaliser du rallye en voiture ou des courses de drift. Pour le rallye, il s'agit d'une piste parsemée d'obstacles, de chicanes, de virages à 180 degrés, où il faudra réaliser le meilleur temps avec notre copilote qui nous indique chaque virage, chaque obstacle, avec le véritable jargon comme dans un rallye. Et pour le drift, c'est un peu la même chose, sauf qu'il faudra faire un maximum de dérapages pour gagner des points. Alors ces deux modes de jeu en voiture n'ont pas grand chose à faire dans un jeu de moto, j'en conviens. Ce n'était pas indispensable, on retrouve les sensations du jeu Sébastien Loeb Rally Evo. Donc c'est uniquement histoire de changer un peu des courses de moto. Ce n'est pas super passionnant, c'est rigolo une ou deux fois, mais après c'est un peu chiant. Toujours dans les modes de jeu, on peut réaliser des circuits en solo ou avec des concurrents, du contre-la-montre. On peut aussi choisir différents styles de moto, moto 1, moto 2, moto 3, différentes cylindrées et jouer avec pas moins de 180 pilotes au total. Alors ce n'est pas fini, on peut retracer aussi l'histoire de Valentino Rossi, toutes les courses de sa carrière depuis 20 ans, avec les différentes motos qu'il a utilisées, ses tenues, etc. On voit donc que Milestone propose un jeu très complet, on ne pourra pas leur faire ce reproche-là. Pour les graphismes, c'est clairement ce qui se fait de mieux en ce moment dans les jeux de course en général et dans les jeux de moto en particulier. Les pistes et les motos sont bien modélisées, les textures sont bonnes, on a du public dans les gradins, bon on n'a pas trop le temps de les apercevoir, mais bon ils sont là et on les entend quand on passe devant eux. Les bruitages des motos sont assez convaincants, on n'entend d'ailleurs que notre moto. Et pour la musique, bah, ça reste du grand classique, c'est pas folichon. C'est un peu électro, mais c'est le genre qu'on en entend souvent dans les jeux de course. Les 10 premières courses servent un peu de tutoriel, puisque nous sommes un peu assistés, comme par exemple les luminaires bleus sur la piste qui nous montrent les bonnes trajectoires à prendre, les luminaires rouges pour nous indiquer les virages, car pour être un bon pilote de moto, il faut surtout bien négocier ses virages et réaccélérer au bon moment dans le virage pour perdre un minimum de temps.
Une option nous permet aussi de remonter le temps quelques secondes, si par exemple on a raté son virage, hop, on revient 3 secondes avant pour mieux passer son virage, ou encore pour éviter une chute. Bref, ce tutoriel nous apprend donc tout ça, ce qui permet aux novices de bien prendre en main le jeu, et les habitués seront eux pas dépaysés, puisque le gameplay est assez similaire au moto GP15 sorti l'an dernier. Au niveau du gameplay, le jeu propose une approche RPG, alors vraiment minime, hein, c'est-à-dire qu'à chaque course finie, on obtient d'abord des VR points que l'on dépense dans des accessoires par exemple, et notre perso obtient également des points de compétences qui se répartissent tout seul, donc je sais pas si tout ça a une véritable incidence sur notre façon de conduire ou sur notre moto, je suis pas super habitué aux jeux de moto pour le confirmer. On peut aussi effectuer des réglages sur notre moto qui peuvent être aussi assistés si on n'y connaît pas grand chose en mécanique. Et enfin au niveau de la jouabilité, on a de bonnes sensations de vitesse, tout est dans l'art de prendre ses virages donc, de bien se pencher mais pas trop. On constatera aussi que l'intelligence artificielle des autres concurrents n'en a strictement rien à foutre que vous soyez sur la piste. Ils peuvent jouer des coudes parfois et Milestone a apparemment réduit le fait de tomber trop souvent quand on touche un adversaire, ce qui rend le jeu un petit peu plus arcade car dans les opus précédents la chute était souvent de mise à chaque contact. Et si on tombe, c'est carrément mort pour gagner la course, les autres concurrents tracent la route, ils ne s'adaptent pas du tout à votre conduite et à votre vitesse, les motos étant sensiblement les mêmes, tout se joue dans les virages, les prendre à la corde pour dépasser les concurrents, qui eux font une course parfaite, ils ne sortent jamais des trajectoires idéales. Par ailleurs, un mode multijoueur est aussi disponible en ligne, mais aussi en local, avec écran splitté s'il vous plaît, chose assez rare pour le souligner. Alors pour conclure cette vidéo, passons donc maintenant à mes petites notes très personnelles. N'étant pas spécialiste des jeux de moto ou même de l'univers de la moto, j'espère n'avoir pas dit d'erreur dans ce test, si c'est le cas n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Alors pour les graphismes c'est quasiment le top en ce moment, c'est très bon, c'est fluide, j'ai eu quelques ralentissements en mode rallye mais on va mettre ça sur le compte de mon PC pas très performant, donc je mets un 4 sur 4. Le gameplay est aussi très accrocheur, c'est pas de l'arcade mais c'est très plaisant à jouer et le nombre de modes disponibles satisferont un maximum de joueurs. En plus de la création de perso, des points de compétences, les accessoires à acheter, la bonne panoplie de circuits, je donne quand même un 3 sur 4. Pour le scénario, là où en général dans les jeux de course, le scénario n'a aucune importance, le fait d'avoir ajouté Valentino Rossi dans le jeu, entrer dans l'académie, se lancer en championnat avec le docteur en mentor, c'est plutôt sympa, même si c'est assez limité, donc un 3 sur 4. La musique et les bruitages sont corrects, c'est pas exceptionnel, donc un 2 sur 4. Et enfin, la durée de vie est très importante, comme je l'ai dit, tous les modes de jeu, rallye et drift en voiture assez inutile mais présent quand même, le jeu permet de s'amuser pendant un bon paquet d'heures, un jeu disponible sur Steam à 49,99€, et je l'ai vu à 52,99€ sur PS4 et Xbox One, donc bon, c'est du jeu assez cher, mais la durée de vie du titre va avec, donc une note de 2 sur 4, uniquement parce que j'aime pas les jeux chers, non, mais c'est vrai, quand on va au cinéma, un film d'auteur français et un blockbuster américain, on paye le même prix au guichet, mais pas dans le jeu vidéo, je comprends toujours pas pourquoi, bref. Toutes ces petites notes additionnées nous donnent quand même un 14 sur 20, donc pour ma part le jeu est très plaisant, je me suis bien amusé, beaucoup plus que sur Dirt Rally sorti fin 2015 qui m'avait vraiment saoulé dans sa maniabilité, pour ça que je n'avais pas fait d'ailleurs d'opium découverte sur Dirt Rally, mais bon là c'est du jeu de moto et mais bonne surprise pour moi, pas habitué à ce genre de jeu, il est très accessible aux néophytes, Milestone prouve bien qu'il est le spécialiste des jeux de course. Merci d'avoir suivi cet opium découverte, j'espère qu'il vous aura permis de vous faire un avis sur le jeu. N'hésitez pas à aller voir d'autres avis, merci de me suivre, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao !